Bonjour Baba. Bonjour. Janvier 2018, on vous retrouve en Belgique, aux côtés de Moïse Katumbi, que certaines langues vous accusent pourtant d'avoir trahi. Qu'en est-il? Eh bien, ma présence aux côtés du président Moïse Katumbi-Tchakwe va tout simplement opposer un cinglant démenti dans la mesure où je suis là, à Bruxelles, avec lui. Je suis arrivé ici dans le but d'abord de me faire contrôler, me faire soigner, parce que vous savez, j'avais été soigné avant et j'ai été empêché de revenir pour le contrôle. Je suis à ses côtés. Moïse Katumbi-Tchakwe m'a beaucoup assisté et je pense que les choses sont claires. L'opinion, tant nationale qu'internationale, sera édifiée. On a parlé de 250 000, 150 millions, je ne sais pas encore quoi. Et puis moi, je ne peux pas trahir Moïse Katumbi-Tchakwe. Et il est, lui, Moïse, notre candidat, nous, le G7, dont je suis vice-président, et par ricochet, bon, il n'est pas candidat de la sorte, mais il est candidat du G7, président de la République. Et je suis heureux de me retrouver à ses côtés. Mais parce que je crois que ceux qui ont appris que je pouvais les trahir vont tout simplement revoir leurs calculs. Impossible, parce que Moïse restera pour nous notre futur président de la République. Il y a les élections qui vont avoir lieu après les soins, après mon séjour ici, il va me permettre de rentrer pour pouvoir continuer l'action sur le terrain parce que nous l'attendons, la population attend Moïse Katumbi-Tchakwe. La population l'attend impatiemment parce que si ce n'est pas du théâtre chez nous et si réellement il y aura élection le 23 décembre de cette année, il faut qu'il y ait ces élections parce que nous, officiellement, au mois de juin, nous allons apporter notre dossier, Moïse Katumbi-Tchakwe, candidat président de la République. Et pour nous, il l'est déjà, parce qu'à ses côtés, je suis en train de parler aux côtés de celui que, pour nous, il n'est plus d'autre que président de la République. Et donc, raconter que moi, j'ai trahi, moi, je ne sais pas qui j'ai trahi, mais je suis aux côtés de lui. Et tout cela n'était que des bobards. Nous restons ensemble jusqu'au bout. Président Moïse, vous êtes aux côtés de Baba du Katanga. Tout le monde se pose la question, lui faites-vous confiance? Je suis très heureux d'être avec Baba, qui est notre sentinelle de la province du Katanga et qui est aussi notre baobab. Moi, j'ai travaillé avec Baba pendant très longtemps. Quand j'étais gouverneur, Baba était président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Baba, c'est un homme qui a un franc-parler. Et Baba, ce n'est pas un petit politicien. Baba, ce n'est pas un demandeur d'emploi. Baba est là pour la paix et surtout pour que nous puissions aller aux élections le plus vite possible. Baba est membre du Rassemblement. Baba n'a pas traversé. Vous aviez vu les gens qui ont traversé les demandeurs d'emploi? On les connaît. Est-ce que vous aviez vu le nom de Baba ou les gens du G7? Non. Baba est resté chez lui. Baba a été humilié. Il est resté plus ou moins 2 ans en résidence surveillée. Je l'ai dit l'autre fois, s'il y a des politiciens qui sont matraqués par le pouvoir, il n'y en a que deux. Moi et Baba. Et Baba a l'âge de Mouzé. Si aujourd'hui M. Kabila interdit même à ce que le feu Tshisekedi puisse retourner au pays pour être enterré là-bas, vous vous rendez compte, il voulait que Baba aussi puisse mourir au Katanga. Heureusement, Dieu merci, avec la pression de tout le monde, de la population congolaise, Baba est venu en Europe pour se faire soigner. Et Baba ne peut jamais trahir le rassemblement. Ils vont attendre très longtemps. Et tout ça, ce n'est pas le rassemblement et qui était en train
de spéculer sur la trahison de Baba, c'était le pouvoir. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ces pièges-là. Je connais Baba très longtemps. Nous avons appris beaucoup de choses chez lui. Donc Baba reste notre Baobab. Et Baba rentre, parce que cette fois-ci, nous n'allons pas permettre à ce qu'on ne puisse pas respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pourquoi moi et Baba, nous demandons que demain les gens aillent à l'église prier pour le pays, pour les élections, et après l'église, qu'ils aillent manifester pacifiquement. C'est un droit, c'est un droit. Parce que de toute façon, M. Kabila, c'est le président sortant. D'ici une année, il va aussi commencer à manifester pacifiquement. Nous allons lui donner cette chance de manifester pacifiquement. Si les choses vont mal dans notre pays, il aura le droit. Mais nous n'allons pas envoyer des militaires. C'est un droit à tout citoyen, c'est constitutionnel. Et les militaires et les policiers doivent rester apolitiques. Ne tuez pas votre population. Ce que votre population demande, c'est la première alternance pacifique dans notre pays. C'est pour le bien de tout le monde et c'est pour le bonheur de tout le monde. Meilleurs vœux à tout le monde. Merci. Meilleurs vœux. Merci. 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 Mbote yao, nangina yebisa bino likambo moko bino nyonso, ba kombata nyonso ya minene ba oba zo bundela Kongo na biso, na lingina fongo la bino matoi, boyoka likambo moko na zo yebisa bino likambo yo eza likambo moko eza vraiment important mingi, pona ko yebango po soki tozo tambo ya lokola bato bazana mesute, toko kota na katia libulu. Na soye bisabino, eza likambo ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, aswani na Kabila te. Moïse Katumbi, baswani vraiment na Kabila te. Wana nazo asire bino, eza lukuta. Bazo kosa bino, bino bato boza na Europe, ba grand combattant. Bino boza na Europe, Moïse Katumbi azalikuna, eza teke, boza la simanaye. Bosa la vraiment erre wana te. Bon mekata ko sala erreur wana te. Moïse Katumbi aye kuna pona ko déstabiliser mouvement nyonso ya ba combattant. Po batika la na mboka na biso na maboko na bango. Bon meka vraiment te ko sala pembeni ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, ce qui bo landi bien liwa ya Tshisekedi. Ce qui bo landelango bien na sima wana Moïse Katumbi ko zanga te. Moïse Katumbi azali azo kosa binoke, azo yokana na Kabila te. Eza lukuta, bazo futa ye, kaka ndenge babanda ko futa ye. Ako sabino te. Moïse Katumbi, soki bo landeli ye, ye aza étranger. Kabila pe, aza étranger, bako tika la koswana te. Yo pe Félix Tshisekedi, nazo ye bisayo. Soki o tira attention te, na Moïse Katumbi. Soki o tira attention vraiment te, na Moïse Katumbi. Oko tika biso. Zala vraiment vigilant makasi, fongola misu na yo, tala mouvement na ye, ako sabinote. Nazo yebi sabino makambwa, solo solo, soki bo lobike, boza la sima Moïse, te Moïse aswani na Kabila, vraiment de mouto oyo, ako sali sabiso, azo ko sabino, ako liya bino malembe, 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 boko sila, bino nyoso bisiko buzali, bo fongola matoi, bo yoka message oyo. Bon ça la vraiment qui te tiesté. Bon fongo la matoi. Bon yoka message oyo. Biso, ngayi, nako bangate, koloba makamba Congo. Il faut na lobango, poeza ma belle na biso. Ngayi, naza vraiment, na originalité nyoso, yakoza la congolaise. Yango wana nako banga koloba makamba Congo te. Moïse Katumbi, azale zambien jif. Akoza la vraiment congolete. Akotika la kape koza la congolete. Akotika la kolinga kongolete. Akotika la kolinga bolamu ya kongolete. Bino bato bozo landa Moïse Katumbi. Bozo sala buzoba. Bozo benga yeke Moïse Katumbi aza président. Président banane. Moïse Katumbi aza la président na kati ya Congo. Première dame ya Congo. E aza la brundaise. Pona nini? Buzoba bongo. Tala.